Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Humankind en multi avec Slan. Salut Slan! Coucou, ça va? Ça va, mais tu m'avais court-circuité lors du dernier épisode de justesse à un ou deux tours près là en tombant sur le Pas bleu. du tout, t'étais en train d'essayer de t'incruster dans mes guerres. Non, j'étais prêt là depuis plein de tours, les vidéos pourront prouver. Et du coup j'ai dans Les l'os là en regarde même plus. pas. Donc, nous on va changer de stratégie, hein. On va contourner et on va aller s'occuper de la cible secondaire que je ne Voilà, c'est prononcerai pas ça. ici. Casse-toi de chez moi. Regardez-moi ce gros sac là qui a pris la ville de juste au moment où j'avais débarqué, quoi. J'ai mes troupes collées là. Et Il a tu sais quoi? rushé en ligne droite exprès. D'ailleurs, je suis sorti de chez toi, j'ai plus du tout besoin que tu te balades sans cesse sur mon territoire, je te ferme mes frontières. Ah non! Terminé, Oh là Romeo. là! Mais oui, mais t'es tout le temps là, envahir, envahir. Est-ce que je Moi qui suis t'envahis, moi? totalement pacifique, quoi. Mais complètement, complètement, c'est vrai que tu es pacifique. Ah Moi-même, je le oui! suis beaucoup, hein. C'est vrai qu'il y a ce. Ah mais. Ouais, mais du coup. La vache, ça couvre jusqu'en haut de la map, je peux pas passer, quoi. Mais du coup, Non, par tu peux contre. passer, tu peux passer. Non, je peux passer avec celui qui est déjà dedans, ouais. C'est le petit. Alors, le Non, bug ou en haut, ça l'exploit, je passe sais pas. au-dessus. Ça Non, passe ça au-dessus passe, en je te haut. jure, ça passe pas. On peut pas y aller. C'est hors de la zone de jeu. Non. Je vais te renvoyer une proposition. Ah, T'as bah, c'est trois pas tours. grave, je fais demi-tour. Je fais demi-tour. C'est qui? T'es qui, toi? T'es violet, toi? Je suis Pourquoi il violet, me ouais. propose de faire un droit de passage au bleu? Bah, Allez, parce je que le te bleu, c'est propose. ton pote, le bleu. Tu l'aimes Non, bien, non, le ça bleu. coûte beaucoup trop cher. Attends, 1250 de prestige, je peux pas me permettre. Ah T'as les bah sous, oui, toi, là pour payer ça? tu viens de le claquer, donc est-ce que ça me demande de payer quelque chose, moi? On dirait que je peux le faire gratos. Bon. J'accepte. C'est bon parce que c'est toi. J'aurais dû contrer, hein. Ouais, je suis un mec gentil. Regarde, tu m'as fait ton plus beau sourire alors que moi je te pointais du doigt. C'est vrai, et en même temps, c'est compréhensible. Tu es un C'est petit con. taquin. Tu es un petit taquin. C'est compréhensible. Mais vous rompez le truc et maintenant vous l'acceptez? Vous compterez même pas. C'est quoi cette histoire? C'est louche. Je suis extrêmement déçu, Psion. Bon bah à part ça, qu'est-ce qu'on avait à faire? Je pense que dans les villes c'était pas mal, hein. Alors dans mon autre partie, j'ai réussi à avoir des villes suffisamment grosses pour que les coûts d'absorption soient à zéro. Ce qui est extraordinaire. Quoi? C'est vrai? Putain. Parce que pourquoi pas? Ben oui. Eh oui, pourquoi pas, comme tu dis. Bon, il Allez faut hop. que je fasse quelques troupes. J'ai On va déjà quelques avancer. troupes, ceci dit. Tac, ici on avance. Alors, on fait quoi là? On Ça attend fait de toute quoi façon. ça? Ouais, ça c'est inutile. Ça a rien d'aller plus loin. Par contre, je sais même pas si je peux aller jusque là-bas. Toc, ici on a terminé ça. Est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes? Ouais. Ouais. Va falloir que peut-être on investisse dans de la thunasse à un moment. Mais pourquoi autant de thunes? Éventuellement peut-être. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut que tu Alors. investisses. Alors Alors, pourquoi il me là, propose ça? Qu'est-ce pourquoi que je suis en j'avance train de de 1 faire? par tour là? Ah non, parce que j'ai déjà avancé. Ok. Alors là non. J'avance de 2 par Là tour, non. sérieux? C'est naze. C'est complètement naze. Alors ça c'est quoi ça? Le palais de Tokapi, on s'en fiche. Alors et du Tous les coup, trucs spéciaux, ils ont été appliqués. de mon côté, je vais essayer de gagner quelques étoiles avant de passer l'ère suivante. Donc les quartiers, c'est mort. Par contre, il y a moyen de faire de la tech et peut-être ça aussi. Peut-être ça, mais c'est pas sûr. D'ailleurs, ah, j'ai oublié, il y a un truc que je voulais faire. Toc, c'est ça là. Oh, c'est hyper cher. Ah, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est moins cher. La coquerie, c'est pas un bâtiment spécial, non, c'est pas un bâtiment spécial. Hop là, c'est parti. Ah, On va attends. faire ça. Alors là, on est bon, là, on est bon. Toi là. Peut-être. Est-ce que la coquerie, c'est le bâtiment Bah spécial oui. des Allemands? Bim. La coquerie. C'est le truc de cuisine. Ouais, non, c'est le bâtiment spécial des Allemands. Pour faire la cuisine. Pas Genre la... les Allemands sont doués en cuisine. Non, la coquerie, c'est là où ils font de la coque, c'est-à-dire
ce charbon qui permet de chauffer plus fort. Ah oui, la coquerie avec un K. Cette coquerie-là, effectivement. C'est pas la même. Donc, hop. 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 Il va falloir 4 tours. Là, il me faut combien de tours pour faire le tour là. 2. Ouais, à Kermain. 5 tours, alors là 1, 2, 3, 4, ouais, alors c'est kiff kiff. C'est kiff kiff. Si je débarque et que je traverse le petit bout de terre, c'est kiff kiff. Je voudrais pas passer pour un agresseur. Je suis quelqu'un de gentil. Te rapproche pas trop de la capitale ennemie, hein. C'est la guerre. Passe au large. Parce que t'es en guerre maintenant ? T'es toujours en guerre ? T'es en guerre contre tout le monde. T'es en guerre contre eux. Et alors hop, donc toi tu fais pas Big Ben, tu l'oublies, très bien. Mikene, t'as pas des coqueries à faire? Non, il semblerait pas, il a fait tout ce qu'il a à faire. Donc a priori je vais passer mon tour. Mais je t'en prie, je t'en prie. Hop là, Kerma, recherche terminée. J'ai pas été voir mes recherches. Yes, une petite étoile supplémentaire. On est au coude à coude, hein. On est au coude à coude en termes de gloire. Mais avec l'avance que t'as, je sais pas si je pourrais rattraper. Qu'est-ce qu'on fait comme truc? Évidemment, là je peux pas prendre un rapa. Ça c'est pis. Quoi ça? Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est quoi? Silo à grain, plus de bouffe. Un peu déçu là, sous ce qui reste. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, on va prendre ça. Ça c'est bien. Bien mais pas fou. On a pas beaucoup de cette ressource malheureusement. En tout cas pas assez. Bon. Ça c'est mieux. Pourquoi j'ai pas d'exigence contre les vers, c'est n'importe quoi. Ouais mais c'est en bout de chaîne, est-ce que c'est bien utile? Rien que leur tête dirait que ça crée une exigence, non? C'est bien. Quand on a une tête pareille. Avec leur tête, ça crée une exigence. Aïe aïe aïe. C'est inadmissible. Ils considèrent que j'ai pas d'exigence envers les vers, alors que j'ai très clairement l'exigence qui me donne tout leur territoire. Je comprends. C'est assez frustrant en fait, hein. Je tiens à le dire, je suis. Je suis déçu. Allez, on va faire des impôts partout. Bim. Pourquoi je peux mettre que 6 bonhommes dans mes trucs? Payer. C'est aussi alors ici, incroyable. On avance. Ah oui, c'est devenu, c'était bleu et c'est devenu tout orange. Alors si je veux aller ici, il me propose quand même de débarquer et d'y aller à pied. Ouais, en 3 tours. Je précise, je ne fais que passer. Parce qu'il y a un port de commerce, comme en commerce, j'ai le droit de passer. C'est tout à fait en toute amitié. Ouais. Peut-être amener des armées autour de chez toi. En toute amitié. Ça me paraît plus sain. Allez, hop, une nouvelle politique. Qu'est-ce que ça fait de beau? Révolution républicaine. Plus 10 de stop par territoire. Ah bah c'est pas mal. C'est cher mais c'est pas mal. On a moyen de faire ça. Non, on a pas moyen de faire ça, c'est pas possible, c'est inenvisageable. Là il manque 2 hommes, mais je peux pas les faire. Peut-être les faire dans ma nouvelle ville. Allez, on a regardé un peu en off aussi là, ta capacité de militariste. En fait c'est totalement pété quoi. Mais non. Ah si, c'est complètement pété. Le fait de pouvoir lever des troupes de milice qui vont durer toute la vie et qui coûtent zéro d'entretien. Wow, mais c'est très surfait. Le zéro d'entretien, en fait, il est correct. Il est surfait, ouais. Voilà, non, il est classique, quoi. Hein, on va pas se. C'est pas parce que tu payes pas un truc. Mais c'est quoi toutes ces unités bleues là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah il meurt chez moi, d'accord. Bon, c'est pas une raison quand même. Regardez ça, là, tu peux lever une armée bam de 6 cash. Ouais, je viens de le faire. Ouais, bah c'est pour ça que je la vois là. Celle que tu viens de lever. À Mikene? Ah non, là j'en vois une à Morenro Daro là. Je sais pas pourquoi je la vois. Ah oui.
Parce qu'elle est en hauteur, du coup, je la vois. Ça, c'est celle que j'ai fait le 2 tours avant. Mais comme on a rechargé la partie, et ben ça m'a reset mon timer. Non, c'est pas vrai. Ce serait tellement abusé, quoi. C'est déjà tellement abusé, cette... D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on reload, là, un petit coup. Oui, j'ai 250 000 troupes. En plus, à Slaneville, si on pouvait reloader 4 fois comme ça à Slaneville, je pourrais faire déjà 8 fois la troupe, jusqu'à plus avoir de pop. Et c'est vrai qu'elles sont hyper fortes, elles coûtent rien, et en plus, elles ont un mouvement de taré, quoi. Parce que de base, elles ont un mouvement de taré pour se déplacer dans les villes, pour pouvoir combattre dans les villes, mais quand tu les pop comme ça, elles ont 5 de mouvement, c'est autant que mes éléphants. Très clairement, ils auraient dû avoir genre 2 ou 3 de mouvement, ce qui permet notamment de les déplacer facilement quand t'as des trains ou des trucs comme ça. Parce que c'est un mouvement entre deux gares. Et avoir le bonus qu'ont certaines armées qui consiste à pouvoir se déplacer de X mouvements en plus au premier tour de combat. Ouais, ou c'est très clairement... dans un territoire ami ou un truc du genre, quoi. Bah déjà, dans un territoire ami, ça fait vachement péter. Mais non, juste au premier tour, le truc, au premier tour de combat, plus 5 de mouvement. 3 de base et puis plus 5 de mouvement au premier tour de combat, pourquoi pas. Ça aurait été beaucoup plus logique et beaucoup plus axé sur la défense de ville avec des difficultés effectivement à la déplacer en territoire ennemi. Ouais, alors que là c'est clair que c'est un truc offensif de fou, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. J'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est un peu vrai. Alors je sais pas ce qu'il fout le rose là, à faire style, il combat des gens. Oh! Allez, on va se regrouper. Je vais pouvoir avoir les... Qu'est-ce que quoi? Du calme. J'ai cliqué les sur ça. Les locaux. Voilà. On se détend, jeu. Accepterez-vous cette offre? Frontière ouverte. Oh, allez, vas-y. Pourquoi pas. Nous, on est pacifistes dans cette partie. Très bien, ça c'est fait. Ok, on va plus tard. On va avancer ici, tout le monde. Okay. Ici. Toc, très bien, au prochain tour là on avance, ici celui on continue d'avancer. Ici. Là, on n'a pas besoin non plus de 2 millions de troupes supplémentaires, hein. Ça va aller. Ouais, quand tu vois que tes conscrits sont quand même plus costauds que mes éléphants à canon, quoi. C'est normal. C'est quand même abusé. Bah oui, bon, enfin, on n'est pas venu là pour plaisanter, nous. Ouais, je comprends. Mais pas dit Mariol. Je comprends. En parlant de ça, le vert, puisqu'on n'est pas des Mariol, il va me donner des trucs. Ça, c'est encore un truc neutre. Déjà, en plus, il prétend que je presse son peuple. Rien que ça, ça m'énerve. Hop, guerre surprise. Je déteste qu'on me mente. Je n'oppresse personne. Qu'on te mente carrément, quoi. C'est un mensonge. Tout de suite les grands mots. Pourquoi il a pas de déplacement, il a 0 sur 5, vous voyez, ça aussi. Ah ouais, mais c'est ça. L'assimilation des peuplades neutres, c'est n'importe quoi, genre... Ça me coûtait 3000, je dépense 6 en influence pour augmenter un peu la vitesse, du coup ça me coûte 5000. Très très bien. C'est parfait. Pourquoi pas. Je vais leur marcher dessus, ça sera plus rapide, je crois. Ouais, je pense, je suis même pas sûr. J'ai fait le test en fait de traverser ton petit bout de territoire, à voir si c'était plus rapide que faire le tour en bateau, mais au final, ça va être kiff-kiff. Hein. T'aurais mieux fait d'y aller en bateau. Ouais, ça coûte tellement cher d'embarquer et de débarquer. Hein. En fait, si on pouvait embarquer avec les mouvements qui nous restent, ça irait, quoi. Là, il me reste 4 de mouvements qui me servent à rien. Et il faut des cases de port spéciaux pour ça. Ouais, là, c'est juste un petit port de commerce bidon. Là. On débloque des étoiles. Attends, je trouve que ton son est un petit peu bas. Je te remonte un peu. Hop là. Je peux gueuler si tu veux. Bah non, j'avais baissé parce que tu gueulais, justement. Mais... Pardon. Désolé, je suis en pleine bataille automatique, là faut que je me concentre. Moi, je voulais regarder un truc. Là, ça va nous débloquer. On va laisser faire ça, on va aller vérifier qu'ici.
On a bien c'est tout pas fait. mal. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'ici on a... Ça, c'est nul. Et ça, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est discutable dans le contexte. Mais il nous la faut. Donc on la prend. Ok. Vite fait là, il nous faudrait combien? 42 tech. Ça fait 4. Ouais, bah ouais, les 4 qui nous manquent. Ah bah j'ai tout pris? Non, j'ai pas pris la deuxième ville. Et ah, parti. C'est passé. Hop là. La bataille automatique est terminée. Allez, bim. Non, attends, je suis en train d'essayer de faire des carrés avec ma souris pour sectionner les troupes, quoi. Ça ne marche pas, étrangement. Oula, c'est costaud, ça. Allez, on embarque. On va essayer voilà. D'aller dans la bataille au prochain tour. Ah, chercher ça. Bon, donc on ira chercher ça. Il faut que je me déploie. Avec cette unité-là, là, on va tracer la route le plus vite possible. Toc, jusqu'ici. Donc là, on arrive dans 7 tours. Putain, qu'est-ce que c'est long. Et on va arriver complètement 7 à l'autre tours. Bout du monde. Je serais déjà en train d'envahir l'autre continent aussi, je le dis tout de suite. Bah c'est ouais, long, je sais, tour. Mais bon. Je fais ce que je peux avec mes bateaux qui se déplacent à 3, là. Tu veux la techno, je te l'envoie, hein. Je sais que tu essayes de jouer la montre pour me battre sur le fil, donc... Putain, t'es remonté d'ailleurs, à 8000 de gloire. Waouh. Bah oui. En fait, c'est le vrai problème, hein, c'est que moi, du coup, les points de tuer des unités, là, les étoiles militaristes qui sont normalement assez faciles à voir, bah, je me traîne dessus, quoi, vu que je ne peux combattre personne. Si je vois pas pourquoi. T'es qu'à me combattre, moi, tu feras des étoiles. Me tente pas. Tiens, j'ai pas pris la ville. Eh non, il a survécu avec 20 PV. C'est un peu ça, ouais. La le coquille. Survivant, quoi. Hop. Ça, c'est pour Karma. Là, c'est... hop. Et on va là. Le problème... Ici, on fait un port. Ben, pourquoi pas, c'est très bien. C'est qu'il y a le combat, donc... Et puis on verra au prochain tour. Là, par contre, ça a déjà été fait. Là. On va la mettre ça, ici. Ça monte bien. On est à combien, là? 46, putain. Oh là là, quel drame. Tapique. Et au prochain tour, j'ai administrateur des ressources. Ah, c'est plus une ville. Ça me servait à rien du tout. Et les artères créent automatiquement des routes entre les avant-postes de votre empire. Ah oui, c'est plus de ville à machin. Ça y est. Je suis parti chercher quoi? Ah ouais, je suis parti chercher ça, tu m'étonnes. C'est parti. Oui. Chaîne d'approvisionnement. Et c'est okay. Quoi ce bâtiment? Silo à grains. Plus une nourriture par fermier, plus un emplacement de fermier. Allez, toi tu vas chercher ce truc là. Je sais pas du tout ce qui est les curiosités en mer. Ouais, ok, bon, ça valait pas trop le coup. Allez, faut monter. Merde, les moteurs. La bataille automatique qui est buggée. Qu'est-ce que quoi? Parce que mes troupes, elles refusent d'avancer en fait dans la. Elles refusent d'avancer et elles restent en défensif. Elles sont contentes d'être là où elles sont. Il reste une unité et la bataille automatique a laissé passer tous les tours. Oh. Ah ouais. Parce que genre, il y a des murs et que tu peux pas passer? Si, c'est parce qu'en fait on est bien dans notre coin, tu vois, et qu'on va gagner sur le long terme si on reste chez nous sans agresser l'adversaire. C'est énervant quand c'est buggé comme ça. C'est clairement ouais. Un bug de l'IA, quoi. Ça peut pas être codé, t'es à 23 contre 1, tu peux pas être codé, on reste planqué derrière les murailles, il y a trop de risques qu'il nous fasse mal avec sa baïonnette, quoi. Ça me paraît douteux, ouais. C'est dommage. Non, j'ai perdu qu'un tour. Hein. Non, j'ai probablement perdu celui d'avant aussi. Parce que j'étais étonné que comme par hasard, ça s'arrête juste avant. Et effectivement, c'est très probablement un bug. Mais du coup, ça va me retarder. Et ça me retarde aussi ici, là. Mm-hmm.
Alors, toutes les répercussions politiques. Animistes. Refusées. Voilà, par contre, on se répand bien là, ça fait plaisir. Ça te fait plaisir à toi, mais ça fait pas plaisir à tout le monde. Ah bah ça, hein, c'est le principe que ça me fasse plaisir. Allez, Zou. C'est quand la prochaine tech de bateau de transport là? Jamais. T'auras pas le temps de l'avoir. Alors, on va leur donner des ordres manuels. Oh non, mais putain, mais... Tu rentres sérieux, là. Sérieux, on reste avec des bateaux à voile jusqu'à quand, là? C'est une blague ou quoi? Sérieusement? Ça non. Véhicule de transport blindé, on a toujours pas de bateau, quoi. On a des véhicules de transport blindé, mais on a pas de bateau. Très très bien. Non, j'ai dû la rater, c'est pas possible. Peut-être qu'on voit pas le... Non, peut-être qu'on voit pas là, le petit logo de transport quand c'est grisé, parce que... Ça me paraît douteux quand même, hein. Un petit peu douteux. Sur les bords. Allez, on prend ça. Ok, 300 balles, ça va être pas trop le coup. Oh, belle bataille. Je peux pas faire apparaître des troupes un peu plus proches. Oh non! Quelqu'un a détruit mes routes commerciales avec le verre. Le nom qui s'appelle. Bah oui. Bah oui. Excuse-moi, mais oui, clairement. Alors, Karma. Karma, on va donner plutôt ces deux-là et puis celui-là. Toc, toc. Alors ici, c'est parti, on explore. Non, du coup, hop. Voilà. Tels les audacieux navigateurs que nous sommes. Il nous considère comment, lui? Ok, intéressant. Au niveau des étoiles, ouais. Hein. Tu fais tellement de fame aussi avec les merveilles, là. C'est pas moi. C'est des merveilles. Bah non, tu les fais plus puisque tu les as déjà toutes faites. Ça fait que 100, hein. C'est rien, hein. C'est même pas une étoile. Bah t'es passé à 8100 là, donc. Alors qu'au début de l'épisode t'étais à 7300. Ouais. Bon, je soupçonne que quand même, quelque part, il y a un petit impact. Parce que j'ai mis 2-3 baffes aux voisins, hein, mais sinon. Voilà, pas plus que ça. Rien de très très critique. Quoi. On en est où là? Ok. Ça avance bien, mais on va claquer un peu plus. Voilà. Bon. Alors, bah, je pense qu'on va déclarer la guerre aux roses maintenant. Hein? Déclarer la guerre. Allemands ont déclaré la guerre aux Japonais d'Edo. Ah, forcément, hein, le mec il a le rose, il a un vieux truc au milieu de toi là. Ah, il se défend, hein, mine de rien. Ah oui, t'attaques avec juste des appelés. Ouais, forcément. Ah, puis lui il a des guerriers jaguars. Ah, la tristesse. Faut avouer, ça fait mal par où ça passe. Allez, on va se déplacer vers l'est. Une unité. Hop là, le rose il veut quoi? Alors c'est où Nasty? Ici. On continue d'avancer. Je sais pas où c'est Nasty. Ah franchement, est-ce que ça vaut bien le coup? Là on est quoi? Là il nous manque 3 ici. Ça va nous falloir un paquet de temps pour l'avoir, c'est le problème quoi. Ça serait assez facilement atteignable, sauf qu'il faut déplacer les troupes, donc c'est hyper long. Ça va prendre quand même du temps. Enfin, c'est 300 points quand même, hein. Alors, on peut se permettre pour 300 points. Et c'est pareil aussi, la plupart des points qu'on gagne là vont servir dans l'ère d'après, donc c'est pas non plus totalement perdu quoi.
ça qui est bien. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent commercer avec nous. Vas-y, ça fera un peu de sous. J'ai pas de problème avec ça. Alors, la guerre avec les vers a pris fin. Mais ils existent encore, les vers. Allez, t'as bien pris soin de les mettre au milieu, hein. C'est pas moi. Histoire d'être sûr que... que j'arrive pas à les chercher. Mais les vers, c'est mes copains, je m'en fiche. Tu vois que... tu les aimes à un point... affligeant. Disons que c'est des gens que je ne déteste pas, quoi. D'accord, je vois. Tu es en plein de solidarité avec eux, y a pas de doute. Tout à fait. Je suis prêt à ne pas intervenir pour les aider. Ça c'est bon. Est-ce que on mettrait pas un petit peu plus de monde? Alors là on est au max partout. Là on n'est pas au max là. Alors les plus. Quand est-ce qu'on peut leur déclarer la là, guerre? Il nous faut un peu de ça et un peu de ça aussi. Ce qu'on cherche, c'est de la science. Alors karma, hop. Bon, par contre la stabilité, ça s'est plutôt bien stabilisé, ça c'est cool. Ici il faut qu'on commence à faire un peu de réserve. Non. Hop. Qu'est-ce qu'il va comme ça? On va faire des trucs comme ça pour... Quand même hein. Voir plus clair. C'est pas si naze. C'est pas si naze. Ah, ça m'énerve. Et toi, par curiosité, ils se déplacent à combien tes bateaux de transport? 12. À 3 aussi? Non, pas à 12, non. Ah, là, il ne peut pas donner une information, une vraie information, c'est spasmodique, quoi. C'est parce que je sais rien quelle vitesse il se transporte. Faudrait que j'aille voir ça. Et là, j'ai personne dans l'eau, je crois. Mais je te dirai ça dès que je serai en chemin pour aller au continent d'à côté. J'en doute pas. C'est-à-dire bientôt, prochain tour. Ah, c'est, alors... c'est l'objectif. Là, oui, ça me plaît. Ça, c'est plus facile à obtenir, donc pourquoi pas. Et nationaliser, oui, c'est du beau côté. Ensuite, là. On prenne ça, mais d'abord tout, on va... Tout a été fait. Garder un petit peu, mais vu que ça débloque des trucs, il va falloir qu'on y aille. Ça, ça faisait quoi? Encore pas mal de trucs à faire. Ouais... Ouais, bouf. On a pas de bâtiment. Ça c'est quoi? Aïe, encore un petit. Ça c'est pas mal. Une petite étoile. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà, ensuite on va aller là. Pour préparer la prochaine guerre. Toi, on rattachera. Vous demander bientôt. Réparation. Justification politique. On va s'abstenir. Tu veux me demander réparation, c'est ça? Non, je regardais, j'ai des motifs de Discord, je regardais c'était quoi. Ah oui, bah non, mais c'est ma religion qui se propage chez toi. C'est honteux. Je vais voir si je peux réclamer que tu me rendes les territoires. Non, c'est tout. C'est moi qui oppresse tes fidèles, donc... oui, d'accord, oui. C'est ta religion qui se prépare chez moi. C'est ça. C'est moi qui suis puissant, et toi qui es faible. C'est vrai, en plus. Il va falloir qu'on rectifie ça. Ça me paraît tout à fait inadéquat. Personnellement, je trouve que c'est totalement pertinent. C'est pertinent, mais inadéquat. Toute ta religion, elle est toute pourrite. Elle est très bien. Révoquer. Non, je révoque pas. Arrête ton char, tu me vends des trucs. Je dis même pas. Je regarde au moins que ça construit quelque chose partout avant de cliquer. Tac, 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 c'est bon. Allez, bim. J'ai plutôt une dréante. Viens. Oh, un event.
Les années n'ont pas été tendres avec Notre-Dame. Ah oui, effectivement, Notre-Dame a l'air un peu souffert là. Alors, on rénove Notre-Dame, on démolit Notre-Dame, ah carrément. C'est peut-être mieux. On militarise Notre-Dame. Non, tu ferais pas ça. Non, on va rénover Notre-Dame. Pas, on n'est pas à 30 balles près pour Notre-Dame quand même, c'est Notre-Dame, merde. Bon. On a pas assez. Il va falloir attendre. Alors ici... ils ont souffert là, mes appelés, hein. Oh là là. On en est où? Alors là, du coup, genre, je peux dire, bim, je veux ça, et... Qu'est-ce que c'était? Ah oui, si, c'est là. Louer une armée. Ok, il s'agit d'une armée en défense, très bien. Et là, par contre, je peux louer cette armée. Mais je peux pas louer cette armée-là, parce que... C'est des tamouls, d'accord. C'est pas des... Elle est bon. C'est pas des incas. C'est pas les ventes. Bon, très très bien. Qui c'est qui glande? Toi tu glandes. Ouais, si, en je marche. Attends, c'est loin. Je peux pas faire un truc genre là. Fais-moi ça d'abord. Alors, Karna. Là c'est bon, on fait un peu de bouffe. Un peu de bouffe, un peu d'or. Je peux demander de plus. Vous allez là, vous. Et on dirait qu'il y a des trous dans ma ville, ça va pas du tout. Va falloir des corriger ça. Ouais, des endroits c'est où j'ai pas fait de quartier. Ah oui, en même temps ça arrive hein, qu'il y ait des endroits sans quartier. Tout à fait. D'où l'expression pas de quartier. D'où l'expression pas de quartier. Et sur ce trait d'humour, on va s'arrêter là. Exactement, je pense que ce sera suffisant pour aujourd'hui. Vous en avez assez entendu. Quand même plus. Et du coup, on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Et à plus.